Ah, Nice et Nice Air. Ça reste Nice, ça. Jusqu'à la fin de mes jours, ça sera Nice. Hein. Merci. Pas bon, drapeau chacun. Merci. Boudaoui m'a donné ses crampons. C'est mon premier roi, c'est un polonais, c'est Marcine Boulka, c'est Marcine Boulka, c'est Marcine Boulka, c'est le meilleur gardien, mon premier roi. Notre reporter sur place est allé voir les supporters l'autre jour dans le centre d'entraînement. C'était après un débat un peu enflammé entre Daniel et Johan Crochet sur le jeu de Nice. Ah, d'accord. Donc, écoutez, nouveau jingle Nice. On est des supporters, on supporte une équipe, on supporte un club. Et même si Monsieur Riolo, il pense que les Niçois s'embêtent au stade, c'est pas du tout le cas, parce que pour l'instant, nous, on est premiers de la Ligue 1. J'ai quelques potes à Nice qui m'ont envoyé des messages. J'en ai dit, non, mais nous, on n'est pas habitués à être premiers et tout. Donc, quand bien même, c'est impossible ce que tu dis. Jamais de la vie, on se fait chier. Donc voilà, donc je retire cette phrase. On fait du bien et surtout, on les aide dans les moments où ils ont envie de s'en sortir, etc. C'est un peu dur de détailler la maraude en quelques minutes. Mais voilà, l'idée, c'est d'être là, de faire du bien, de sourire, de donner du sourire et vous en rendre. Et puis voilà. Alors ce soir, c'était l'OGC Nice qui nous accompagnait, hein, comme d'habitude maintenant depuis un sacré bout de temps, puisque ça fait depuis 2018 que l'OGC Nice nous accompagne pour nos maraudes. Parmi les volontaires du jour, des jeunes joueurs du centre de formation, des féminines ainsi que d'anciens joueurs. On approche de l'hiver, il commence déjà à faire froid. Comme on a pu le constater, les gens enfin, ils ont besoin d'aide et de liens aussi. Donc, un mot, ça rapporte aussi un peu de chaleur. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. On ne soupçonne jamais qu'il y ait autant de gens dans le besoin, que ce soit à Nice ou dans une autre ville. Et donc, ça reste toujours choquant, on va dire, de voir qu'il y a autant de monde qui ont besoin d'aide. Les gens qui vivent dans la rue, ils suivent aussi le foot. Et ils connaissent tous le GC Nice et la plupart en sont fans. Et donc, c'est très important pour eux de les voir venir sur le terrain. Et ce soir, ils étaient très heureux de les voir et de voir aussi tout ce qu'ils ont apporté. Merci à l'UNFP, à tous les supporters qu'ils ont voté pour moi. Quel est le plus grand sentiment d'invisibilité que vous avez ressenti cette saison? Depuis le premier match de cette saison, je sens comme ça chaque match où je sors. Pour le match, je suis bien motivé, avec grande ambition de garder clean sheet et de l'équipe de gagner le match. Quel est le plus grand arrêt vous rêvez de faire dans un match? Je pense arrêter des pénalités dans un match. Balle au coude, Boulka, c'est frappé, c'est arrêté. C'est le dans un match, c'est très rare d'avoir des pénalties. J'aurais aussi de les arrêter. Ça m'a fait plaisir. Je vais tenter à rater. Erdis, Flamengo. 2 do segundo tempo. É jogo de tirar o fôlego. Atenção, Ronaldinho bateu. Gol! Ronaldinho! No Brasil, assim, porra! Não. Oh,
Ça fait plaisir, hein. Ça montre que l'équipe, tout le club est soudé, on va dire, parce que c'est pas dans tous les clubs que les professionnels se déplacent pour venir voir le match des jeunes. Il y a une belle identité club, je pense que c'est ça qui est important aussi, et on le sent aussi bien avec l'équipe première qu'avec les salariés. Voilà, il y a un bel engouement autour du club. En plus, il y a les résultats qui vont avec, notamment avec l'équipe première. Donc voilà, ça fait plaisir. Et puis, quand on est jeune joueur, de voir que les pros viennent vous voir au match, ben, je pense que c'est valorisant pour eux. Et ça devrait être une source de motivation supplémentaire. Il est important ce match là. Très important. Victoire obligée. Pour la première place, il faut gagner, c'est tout. Il y a une place de leader à récupérer, on est bien assis. Il faut prendre la première place, logique. Et surtout rester sur les zéro défaites. Je découvre et c'est carrément excellent quoi. J'adore. Ouais. Alors je me balade depuis une demi-heure, je me balade partout et j'en prends plein les yeux. Moi je viens à tous les matchs moi. J'ai pas raté un match depuis au moins 5 ans. Ah, Nice et Nice R. Ça reste Nice, ça. Jusqu'à la fin de mes jours, ça sera Nice. Hein. C'est Nice, quoi. C'est tout. Allez, allons gym, allez. Oh, trop d'émotions. Voilà. J'ai eu deux autographes de Jumeau et Laborde. C'est incroyable, vraiment. Ça va être dans ma chambre, ça. Pendant longtemps. Martin Bulka a remporté le trophée UNFP du joueur du mois de septembre, mesdames, messieurs. Je suis ravi parce que c'est vrai que les gardiens n'ont jamais la part belle dans ces trophées. Et que ça soit Bulka qui puisse le gagner, c'est que c'est amplement mérité. Il va recevoir ce trophée UNFP du joueur du mois de septembre de Liga. Mesdames, messieurs, sur vos applaudissements. Je trouve que c'est le meilleur endroit de la remise à faire, c'est devant son public, et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'on remet un trophée, on le remet à domicile. Bulka dans mon cœur, il est excellent, je l'adore, s'il nous regarde, mais continue, c'est magnifique ce qu'il fait. Après avoir suivi l'actualité du gym pour Nice Matin pendant 15 ans, Vincent Menichini quitte la Côte d'Azur pour de nouveaux horizons à l'occasion de son dernier match. Le gym lui a réservé une petite surprise et un petit cadeau d'au revoir avec les femmes de sa vie. Bravo Vincent et merci pour tout ce que tu as fait pour le gym. Ce soir, le grand ancien qui reçoit le trophée, il était infatigable, il taclait comme un beau diable. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames, messieurs, pour monsieur Éric Guérit. Beaucoup de fierté, je suis très content de revenir à Nice, ça a été une bonne époque pour moi, j'ai fait trois belles saisons à Nice, j'ai connu des coéquipiers qui sont devenus des amis, et il y avait une ambiance extraordinaire, et ça reste des merveilleux souvenirs pour moi. Curbelo, Januzzi, Blanc, Guérit, Larios, Mel, Henri, Goudard, Enduro, Mathieu, Pascal et quelques autres ont permis à l'OGC Nice de terminer à une honorable 11e place. On entend beaucoup de positifs sur Nice.
par ses résultats et l'ambiance que dégage le club et le fait, par exemple, de faire revenir des anciens au stade. Je ne veux pas arriver à parler, je suis désolé. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Je vous demande de vous arrêter. Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Sofiane, c'est contre son camp. C'est le but de Sofiane. En tout cas, pour nous, c'est le but de Sofiane. Après, la VAR et tout, ils diront ce qu'ils veulent. Mais pour nous, c'est Sofiane. Bien joué à Sofiane qui s'entraînait toute la semaine de tirer cette coup franc et marquer aujourd'hui un but qui était important pour nous. Ambiance ce soir encore et on continue dans notre lancée, clean sheet, zéro but encaissé, y'a rien de mieux. On vous aime le GC Nice, premier de Ligue 1, monstrueux, toi Thibaut, meilleur défenseur d'Europe et je dose mes propos. Dante, Dante je t'aime, double Asie, Thibaut, on vous aime, on les aime. C'est une équipe qui n'a jamais été menée au score cette saison, on le rappelle, qui est la meilleure défense des cinq grands championnats, qui n'a pas encaissé de but depuis le 15 septembre et qui n'a pris que 4 buts cette saison.
à ce stade de la saison, seul, il n'y a qu'une équipe dans l'histoire qui a fait mieux, c'était, je vous le retrouve, le PSG en 96-97. C'est effectivement une équipe qui est très très dure à bouger, et puis si jamais ils marquent le premier but, c'est terminé, vous ne les revoyez pas, et ils ont, on rappelle quand même, ils n'ont jamais été menés cette année en Ligue 1, jamais été menés. Là, ils sont sur 6 matchs sans prendre de but. Ouais, c'est 6 matchs sans prendre de but, ça, c'est meilleure défense, non, c'est meilleure défense, c'est rare des défenses comme ça, c'est rare. Tout le monde parle de Dante et je trouve qu'on parle assez peu de Todibo, moi. Todibo, vraiment. Todibo, bon, Dante, bravo, la longévité, tout ça, l'aura. Todibo a été énorme. Todibo, ouais. Non, ce qu'il y a, c'est toute l'équipe. S'ils prennent pas de but, c'est vraiment, c'est un poncif de dire ça, mais c'est toute l'équipe qui travaille pour ça. Oui, parce qu'ils reviennent tout le temps très vite, les attaquants, ils ferment tous les espaces. T'as l'impression à un moment, même quand ils n'ont pas la balle et que c'est l'autre qui est en position haute pour jouer, une espèce de mur qui se met en place et c'est un peu comme si il t'engluait et il t'empêche finalement en attaque placée. C'est une toile d'araignée. Je vois même pas trop comment tu peux les déstabiliser. Alors oui, Todibo vraiment est un super défenseur, mais on cite Dante parce qu'on est toujours impressionné par sa lecture du jeu et par le fait, tu te dis ouais, bah ça, si un mec accélère, il va rester sur le cul. Mais en fait, non, avec leur système, tu n'as pas la possibilité qu'ils se retrouvent sur le cul face à une accélération. Ils lient tout bien, ils relancent propre. Solidité défensive, solidarité, il y avait tout, il y avait tout. Vous nous faites rêver le gym, vous nous faites rêver. J'ai trop d'émotions, trop d'émotions. C'est collectif, ça joue bien, ça fait tourner, c'est exceptionnel. Vraiment, le jeu aujourd'hui était vraiment incroyable à regarder. Nous, on est abonnés, donc on sera là tous les matchs jusqu'à la fin. Belle perf ce soir. On est premier. Oui, on est premier. Raphaël, bien joué, mon frère. Aïe. On va pas inquiéter, mon frère. Bien joué. Savoure tous, mais voilà, tout en gardant la tête sur les épaules et en restant conscient qu'on a des objectifs et on ne les oublie pas, mais on continue à bosser pour quand même rester là où le plus longtemps possible. Ouais, on va aller à Montpellier, ça va être un gros match aussi encore. Et Antoine, je vais te tuer. Et non, ça va être un gros match aussi. Et il va falloir mettre les mêmes ingrédients qu'on a mis aujourd'hui pour pouvoir aller chercher les 3 points là-bas. Qu'est-ce qui a fait que vous en êtes là? Parce qu'on a beaucoup travaillé et le coach venait d'arriver, donc il fallait aussi trouver nos marques avec les coéquipiers et le coach. Et je pense que en ce moment on tourne bien parce qu'on comprend aussi ce que le coach nous demande. Donc pour l'instant, ça se passe très bien et j'espère qu'on va continuer comme ça. Mais je crois que ce groupe est intéressant aussi parce qu'il y a des garde-fous dedans. Il y a des Dante, il y a des Todibo, il y a des gens qui ont vécu des choses dans d'autres clubs, qui ont gagné des titres. Ça veut dire que l'enflammade, j'y crois pas. Voilà, il y aura peut-être une baisse de régime, peut-être que la chance tournera à un moment donné, peut-être qu'il y aura physiquement, ils seront moins bien. Mais la grosse tête ou l'enflammade, j'y crois pas, parce que dans ce vestiaire-là, au-delà du coach, il a des relais solides qui ont vécu beaucoup de choses dans leur carrière. Et c'est pour ça que je pense que, humainement, ce groupe peut aller loin, parce que je le pense vacciné contre l'enflammade. Melvin, vous réalisez un superbe début de saison, vous êtes titulaire à tous les matchs, vous êtes récompensé, et surtout, on voulait vous souhaiter un superbe anniversaire, puisque vous fêtez vos 23 ans aujourd'hui. Est-ce que vous allez ressortir ce soir le costume d'Halloween que vous avez sorti? On va voir les images d'il y a quelques jours. Ça, c'est votre coéquipier, Kefren Thuram, vous êtes là. En brise de Nice, non? Non, il était avec là, le costume Dante. De dinosaure. Ah, magnifique. Non, non, ce soir, c'est plutôt bien habillé. Je vais être avec ma famille et mes amis tranquillement à la maison. Et on va fêter ça tranquillement parce que demain, on a entraînement. Donc, on va fêter ça tranquillement. Aujourd'hui, c'est ton jour.
happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday.